Allez, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui sur Monster Hunter Stories 2, nouvelle petite vidéo. Je vous invite également à aller voir mon nouveau let's play qui a démarré hier sur The Legend of Zelda Skyward Sword. Il y a déjà une vidéo de 1 heure à peu près d'hier et je vais en sortir une. Bah, elle sera sûrement sortie avant cette vidéo d'une demi-heure, un petit deuxième épisode avec la descente sur Terre et évidemment l'épée divine. Mais bon, là ce qui nous intéresse c'est continuer notre petit Monster Hunter. Vous avez également, si ça vous intéresse, un petit peu de rétro. En ce moment je fais un let's play sur Rogue Galaxy, un petit jeu qui était sorti sur PS2, qui est ressorti en remaster en quelque sorte sur PS4, qui date quand même de 2005, hein, mais qui vaut vraiment le détour. C'était un jeu de Japan Studio et Level 5 justement, donc très bon petit RPG. Ok. Donc on va devoir aller déblayer la grotte, mais avant ça, évidemment, dans un premier temps, on va voir si je peux rentrer, parce que je crois que la quête de l'Anjanat, elle était par là. D'un côté de l'autre, ouais, c'est là-bas, il me semble. Ah non, c'est juste une autre quête. J'avoue. Elle est de l'autre côté en fait. Voilà, c'est celle-là. Ok, c'est parti, allons-y. Donc on doit aller dans les mines de Lavina. Je ne sais pas du tout si j'ai débloqué un point de téléportation dans les mines de Lavina. Mais je sais que... que je les ai découvertes puisque j'ai été dedans. Écoutez, on va voir de toute manière. On va déjà sortir sur la map. Est-ce que les choses sont activées là? Ouais, pas de soucis. Bon, rassurez-vous, je crois que ça, je l'ai fait après le dernier épisode. J'ai enfin l'armure Anjanat, qui est d'ailleurs au niveau 2 déjà. Donc, je commence à avoir un plutôt bon équipement, je trouve. J'ai amélioré le maximum possible. De toute façon, c'est simple. Je peux pas mieux faire pour l'instant. Mais je suis déjà content de ce que j'ai réussi à obtenir. Donc, c'est cool. C'est franchement super, super cool. Allez, go, on y va. Ah non, attendez. On n'y va pas. Voilà. Donc oui, je voulais voir où est la mine de Lavina. Elle est là, donc il faut que je me téléporte là. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, on va penser à prendre le maximum de matériaux sur la route et faire un minimum de combats. Je pense que ça sera franchement pas mal. Bon, les combats par contre je les ferai dans la grotte plus que maintenant je pense. C'est mieux. Nous y sommes. Oh. Attendez, je me retourne la caméra. Voilà. C'est bon, nous pouvons y aller.
さ、寒すぎて俺の自慢のヒゲもカチンコチンだぜ。アユリアは寒くないのか？私にはヒョウガがいるから大丈夫。ヒョウガはあったかそうだもんな。お？そういえばヒョウガっていつからヒョウガなんだ？ヒョウガは再会した後につけた名前なの。じゃあその前はなんて呼んでいたんだ？モフタン。モフタン？モフモフがとても気持ちよかったから。モフタンじゃなくて、ヒョウガとは再会してから絆を結んだのか？そう、あの日も今日ぐらい寒い日だったわ。ところにもモンスターが。ベリオラス。どうして？あなたもしかして。また会えたね。モフタンって呼ぶには大きくなりすぎちゃったね。ヒョウガ、私と一緒に来て。私たちの絆はそこからなの。すっげえ。寒い場所に来るといつもさあ先へ急ぎ。ouais ça peut être pas mal d'avancer、par contre je pense que j'ai pas pris encore d'objet、ouais ils ont froid les petits。 beaucoup mieux histoire qu'on se retrouve pas un peu à la traîne dans les combats。Donc nous voilà finalement dans les mines. J'ai bien fait de pas les explorer la dernière fois. Je les aurais explorés pas pour rien mais presque, puisque ben, maintenant on doit y aller quoi. Bon, je vais partir par la droite. Il n'y a pas de monstre, c'est bizarre. C'est même très très bizarre.Zéro monstre. Mais comment ça se fait? Il n'y a pas un problème là. Attendez, là il y a des matériaux. Non mais attendez, c'est pas possible qu'il y ait zéro.Zéro monstre, non? Enfin, je sais pas, peut-être que je dis des bêtises, hein, mais. Ça me paraît un peu bizarre quand même. Ah là, y'en a. Allez, on va faire un petit combat. Parce que je trouvais ça bizarre, hein, franchement. Alors lui, il l'avait jamais battu apparemment, le grand Baggy. Visiblement, c'est la première fois. Alors, ils en ont tué un petit déjà. Allez, allons-y.C'est joli. Ça va, ça se passe pas trop mal. Mais là, il vient de s'énerver, donc il va forcément changer, de type d'attaque.
Et à chaque fois je me fais avoir, il fallait que je fasse force. Bon ok, le gros il est mort. Il reste plus que le petit, et le petit, bah, il faut de l'attaque technique. Bon là on va tous être sur lui, on va le battre, hein, c'est obligé. Allez c'est bon. Bon, je passe hors mon classement. Hein. Allez, je m'en doutais. B. C'est pas très grave. Ça aurait pu être mieux, mais c'est pas la fin du monde. Alors, du coup. On va par ici. Bon, du coup, je me déplace un peu à l'aveuglette. Mais visiblement, c'était bien par là qu'il fallait aller au final. Donc, j'ai bien fait. Et la zone a l'air quand même assez grande. Surtout qu'en plus, on sait jamais vraiment où on doit aller quand on est dans ces grottes ou ces donjons. Parce que finalement, ils nous mettent pas de repères d'objectifs, en fait. Donc, on se déplace un peu à l'aveuglette. Et j'avoue qu'en ce moment, j'essaye d'explorer un maximum pour récupérer et des œufs. Et surtout des matériaux, de l'XP en battant des monstres, enfin voilà quoi, c'est primordial je pense. Si je veux pas me retrouver à la traîne dans le jeu et galérer après et devoir me faire des phases d'XP. Parce que se taper des phases d'XP c'est le pire truc qui puisse arriver dans un jeu. Ok, là on a un coffre et on a un petit monstre qu'on va évidemment affronter. Ok, c'est la même chose que tout à l'heure, donc au moins on sait que eux, c'est des attaques techniques. Non, ils sont endormis. Ben, nous on va rester sur une attaque technique de toute façon. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal, il y en a un de battu. Il en reste plus que deux. Alors et maintenant. C'est marrant, il fait que m'attaquer à moi et il fait que perdre ses duels. Merci. Ok bien, il est presque mort. Ok l'autre il passe en mode force. Allons-y. C'est parfait. Il continue à vouloir m'attaquer comme moi, c'est dingue. Ah cool, elle va tous nous soigner, ça tombe bien. Je remarque d'ailleurs que mon Rathalos il commence à avoir vraiment beaucoup de points de vie. C'est le seul qui est au-dessus des 200 points quoi. Et le Grand Baggy on l'a presque battu. On va pouvoir lui envoyer une dernière petite attaque et ce sera bon. Cool. C'est gagné. Il y a moyen que j'ai un bon rang là parce que le combat s'est quand même globalement bien passé. Il faudra que je pense à le remettre en accéléré pour éviter de passer 2 heures en combat. Ouais, je m'en doutais, rang S. J'ai activé un boost d'XP, un tout petit boost d'XP en plus du boost de points de combat. Ah cool, l'équipe d'expédition est revenue, il faudra penser à aller la,
la réceptionner à l'écurie. Alors, est-ce qu'on a d'autres objets? Ouais, là, il y a des minéraux. Et là également. Et c'est bon, on peut passer à une autre zone. Alors du coup, on va faire attention à aller là où on n'a pas encore été. Donc c'est-à-dire vers le bas là, on n'y a pas encore été. Tiens, encore un petit combat. On n'est pas battu ça, je crois déjà. Ah bah si. Eux je sais pas ce qu'ils font comme attaque, donc je vais partir sur une attaque technique et on verra bien. Ah bah c'est attaque technique. Donc j'aurais dû faire force. Oh, je lui fais beaucoup plus de dégâts. Mince, il y en avait un qui pouvait faire un duel avec moi, je suis bête. J'avais pas vu. J'ai voulu aller trop vite. Yes. Allez, c'est gagné, un petit rang S, on n'en parle plus. Ok, bon là c'est des cul-de-sac, là aussi, donc en fait il faut que j'aille là-bas. Alors ensuite... Donc là il y a une possibilité d'aller vers là-bas, on va y aller, on va voir ce qu'on peut trouver, peut-être que ce sera un cul-de-sac, mais au moins... ou alors le cul-de-sac il est là-bas, je vois qu'on a un coffre au trésor, on va plutôt aller là-bas. On va plutôt aller vers le coffre. Et on verra plus tard si je vais... en bas ou pas. Mais mon but c'est quand même de récupérer le maximum de coffres. Il y a un gros monstre là. J'aurais aimé l'attaquer par surprise. Ah mince, non. Vite, ouvre le panne de face. Pas envie de le prendre de dos quand même. Hein. Bon, c'est parti. Donc c'est toutes les attaques techniques. Ah oui d'accord, on les one-shoot presque. Ok, les petits sont presque morts. Il y en a un qui est mort. On va s'occuper du petit là-bas, comme ça c'est fini, on n'en parle plus. Voilà. Et maintenant plus que le gros. Bravo! Allez, on va détruire sa partie. Et bien, soigne-nous. Parfait. Là, voilà, il a lâché un objet en plus. Parfait. Bon, sa barre de vie a baissé de plus de la moitié. Je sais plus ce qu'il fait quand il est comme ça. Là, il faisait des attaques techniques. Donc on va partir du principe qu'il est passé en mode force. Et mince, ça va faire une égalité. À chaque fois je me fais avoir. J'aurais dû faire technique. Il a lâché un objet. Yes. Et c'est gagné. Ah, seulement rang A, par contre, c'est un peu dommage. Mais bon, après, c'est pas très très grave non plus. Donc, nous continuons par là, ben, vers le coffre. Et de toute façon, c'est aussi simple que ça.
On a déjà vu ce modèle de grotte d'ailleurs. Ouais, je m'en souviens. Hop, hop. Et le coffre est juste là-bas. Hop. Hop. Ah. Merci. Donc évidemment, c'était bien un cul-de-sac ici, hein. M'en douter un petit peu. Donc on a ces petits trucs brillants. En fait, c'est tout ce qui est poisson, j'ai l'impression. Donc là, finalement, il nous reste plus qu'à aller dans cette zone. On a quand même exploré une grosse partie de la grotte. D'ailleurs, c'est marrant parce que la quête, c'est même pas déblayer la mine, c'est explore les mines. Bon, on va voir ce qu'on peut trouver de ce côté-là de la grotte. Enfin, des mines. Donc, s'il est en train de parler, c'est qu'on doit s'approcher de l'objectif. Ah, va y avoir du combat. Allons-y. Eux, on a dit qu'ils étaient rapides, donc il faut de l'attaque technique. Allons-y. C'est pas fini, on y va. J'en reviens pas, on va battre le gros. Ah mince, j'avais pas vu qu'il était passé en mode violent. On va battre le gros avant de battre les petits, c'est quand même assez rare ça. Go. Ah oui, merci, ça m'arrange. Écoutez, on est bon. On est plutôt bon. On va arriver dans le fond de la grotte en plus, c'est parfait. Alors on a un coffre là, mais je pense pas pouvoir l'atteindre. Ouais, je m'en doutais. Quand il y a un tri en général, c'est qu'il faut de l'escalade. Et pour l'instant, je n'ai pas du tout débloqué l'escalade. Bien sûr que je suis prêt. Allons-y. Ça va, si on arrive au... accomplir chaque point un objectif par let's play, on va avancer rapidement dans cette partie du jeu. Donc lui, il doit être au moins de mon type force, je pense, donc on va essayer la rapidité. Et il est rapide. C'est illogique. Mais bon, c'est pas grave. Elle va me soigner, cool. Magnifique, un petit critique, ça fait du bien. Oui, d'ailleurs, vu qu'il est rapide, il faudrait peut-être que je change de monstie pour prendre un monstie qui fait de la technique. 129 d'attaque. Ah ouais, d'accord, mon Pouquet, il est beaucoup plus fort. Allez, une double attaque. Yes.
Allons-y. Ah oui, c'est vrai qu'il fait ça, lui. Est-ce que j'en ai un qui est avec de l'affinité haut? Ah oui, j'ai lui. Yes. Pas fan de celui que j'ai là, on va plutôt prendre mon Rata. Ah génial, attaque du haut. Et il a lâché un objet et en plus il tombe au sol, c'est pas beau ça. Oh là là. Ce qui se prend. Bah après t'as pris 1000 points de dégâts, tu peux te relever. Hein. Non, il a changé. Il faisait quoi? Il attaquait en mode rapide. Donc il me faut des attaques techniques. Allons-y. Et on recommence nouveau duel. Et on recommence nouveau duel. Il va se rouler dans la boue. Bon, je pense qu'il doit être presque mort, il bavait, donc à partir de là. Allez, on l'achève là, ce serait beau. Yes! Ah oui, pas mal d'XP quand même. Et je m'en doutais un petit rang S. ポポも洞窟に行けるし、店も潰れなくて済むな。協力してくれてありがとう。店が元に戻れば、店主も元気になるし、村の雰囲気も明るくなるわ。ボロボロだった村があそこまで元気に戻ったんだもんな。ええ。でも実は、私と氷河は村から離れたことがあるの。にゃ!そうだったのか?氷河を連れてクア村に戻ったのは、 絆を結んだ後のこと。みんな!アユリア、そのモンスターから離れるんだ!もうこれ以上村を壊されるのはごめんだ!みんな待って!この子は違うの!黒の狂気に侵されていないとも限らない。そんな素性が知れないモンスターは受け入れられない!では、私が村を離れます。 Ah d'accord, elle est partie à cause de ça. Il voulait pas le monstre, donc elle est partie avec son monstre. Ah,
村のみんなはアユリアと氷河を信じてくれなかったっていうのかよ。ええ、黒の狂気は村だけでなく人のモンスターを信じる心までも奪っていった。そんな、なんだかあなたとレウスを見ているとあの頃の私と氷河を思い出してしまうの。あなたはどんなことがあっても誰よりもレウスを信じてあげて。よし、レウスが伝説と関係がないことを証明してやんないとな。さあ、村長さんに報告だ。足が疲れちまったから俺もライドオンさせてくれよ、モフタン。うにゃーな。Ok, magnifique. Donc du coup, on a logiquement terminé cette zone finalement. Il y a peut-être des objets à récupérer là quand même, on va vérifier. Ouais, voilà. Ça paraît assez logique en soi. Visiblement, il n'y a pas grand-chose. Ils sont un peu radins là. Ok, bah c'est bon, on peut retourner au village. Bon, on s'en est bien sorti quand même. S'en est bien sorti, on a réussi à battre le petit boss, on a fini la mission. Tout est bien, tout finit bien. Bon, mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouvera demain pour continuer l'aventure. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces et vous abonner. N'oubliez pas mes let's play sur Zelda et Rogue Galaxy. Je vous dis à très vite. Bye bye.